Alors Alex, premier bracelet français sur ces WSOP, qu'est-ce que ça fait tout de suite dès que la carte à la River est tombée? Quelle impression? C'est fou, c'est magnifique, il y avait tout le rail français qui était là, ma femme qui était là, enfin genre c'était génial, on joue au poker pour ça, et vraiment énormément d'émotions. Et justement un petit mot pour le rail français qui était particulièrement bruyant, enthousiaste, il y avait plein de monde, qu'est-ce que ça fait? Bah encore une fois, genre, je les remercie parce que ça change toute la TF, quoi, hein, qu'on soit tout seul ou qu'on soit avec un rail, on a plus de force, on apprécie le moment à sa juste valeur, enfin, c'est juste énorme. Il y a aussi tous les messages que j'ai reçus de France, d'énormément de monde, et on se rend compte que vraiment c'est un tournoi particulier, c'est un festival particulier, et c'est vraiment un tout rêve de joueur de poker. Et justement, un bracelet WSOP, un bracelet en or dans ta carrière, déjà pas mal accompli. Est-ce que ça représente quelque chose, un accomplissement, quelque chose de vraiment particulier pour toi? Alors c'est quelque chose de particulier, oui. Ça fait partie des objectifs que je me suis fixé. Donc voilà, maintenant je ne veux pas m'arrêter là, donc j'ai pas envie de parler d'accomplissement. Mais je suis super content et je vais continuer à essayer d'être sérieux comme je l'ai été et pas me relâcher pour essayer d'aller encore chercher d'autres et continuer. Quoi. Et justement, pour le reste des séries, est-ce que tu comptes jouer encore plus de tournois, peut-être aller sur des buy-in un peu plus élevés? Est-ce que ça change quelque chose pour toi, ce bracelet? Non, ça change pas, ça change bien évidemment, mais je veux dire, j'avais prévu de jouer les 10K et pas plus. Je vais pas jouer plus, donc je vais rester sur ces buy-in là. Donc non, en termes de tournois à jouer, ça va pas changer grand chose. Et on va parler un petit peu du côté plaisir. Du coup, est-ce que ça va être la fête ce soir? Est-ce que vous allez prévoir quelque chose? Comment tu vas fêter ça? Je pense pas, honnêtement, que pour l'instant, je vais sûrement aller jouer directement le 3K 6 max, parce que mon international s'est très bien passé, donc j'ai envie de continuer. Mais en fin de festival, ouais, je pense qu'on fera une soirée avec les autres Français qui auront des bracelets, parce qu'on aura d'autres, j'en suis persuadé. Et on se fera une bonne soirée entre Français et on va kiffer, mais c'est pas encore l'heure. Ok, bon bah merci beaucoup, félicitations encore. Merci. Profite du moment. Merci beaucoup.